capitaine pour la sachant que ce que je vais vous dire là, c'est valable jusqu'au 11 novembre. Pourquoi le 11 novembre? Parce que c'est la date à laquelle on va récupérer nos internationaux. Et on a besoin de partager avec eux le projet. Quoi. Ça ne va pas remettre en cause le capitaine, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce dont on a parlé ce matin, c'est valable quand même. On fera un stage dans lequel on va intégrer les internationaux et là, on repartira sur la validation du projet. Le capitaine pour cette période-là et pour la saison, ce sera Rodrigo Capoptega, avec deux assistants, que sont Alex Tunou et Romain Cabal. Ça, c'est pour le pôle capitaine-vice-capitaine. Et ensuite, on a le conseil des sages. Le conseil des sages, ce sont des leaders qui sont notre interface à nous. Dans un sens, c'est-à-dire nous vers eux, vers le groupe, ou le groupe vers eux, vers nous. Donc on fait des points régulièrement avec eux. Donc là, on a ce qu'on appelle des leaders de performance. Donc on va avoir Brice Mac, qui est plutôt l'ancien de la maison, ou un des anciens de la maison. On a Alex Bias, qui doit nous apporter un œil neuf. On a City Sivivatou, pour les étrangers notamment. Et ensuite, on a le petit Dupont pour tous les jeunes. L'idée, c'est que chaque personne amène le retour de différents collèges. Quoi. Ensuite, sur la partie touche, bon, c'est plus classique. On a leader de touche, on va avoir Yannick Caballero avec Christophe Santon. Et sur les leaders de vie, on va avoir Mathieu Bonello et Rémi Grosso. Voilà, donc, nous avons le statut de tous ces joueurs. Comme ça, c'est défini ce matin. Voilà.